Alors Pierre, Pierre, t'es content? Ça va, ouais. Tu vas ta course? Pas trop froid? Non, juste un peu, mais ça va bien se passer. Alors, dites un petit mot, dites un petit mot. Ah, mais chaud. Et Marco? À fond? Un petit mot? Ça va cailler. Ouais. Ah, bien froid. J'essaie de faire du pas pour. Ouais. Bon, bon courage à toi. Ça va, Flo? Ça va? Ça va, Flo? Ah, c'est bien, il fait chaud, il fait beau, regardez. C'est super. Ouais. Ça fait une belle course. Bonne séance, ouais. On va essayer. Allez, chaud. À plus. Allez, 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 go fort, allez, allez! Allez, Marco, allez, allez! Allez, Marco, allez! Allez, Florent, allez, allez! Bravo! Allez, Florent, allez, allez! Allez, Flo, allez, 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 Flo, allez! Allez, 11 ou 12, allez, Florent! Allez Hugo, allez, allez. Allez Hugo, allez, allez, allez. Allez Hugo, allez, allez. Regarde, allez Hugo. Allez Hugo, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez Laure, allez, allez, allez. Allez Laure, allez, 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 allez. Voilà, et là c'est Félix qui est là. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir. Allez là! François! Pierre! C'est pas une photo, hein, je suis en train de filmer. Non, ah oui, c'était très, j'ai fait exprès, comme ça je pourrais mettre ça. Bon, t'as un petit débriefing sur ta course. Auto-débriefing. Condition, beau temps, belle neige. Donc vraiment ensoleillé, très chaud, vous voyez, je suis nickel. C'est juste la transpiration, hein, d'accord. Donc oui, je suis un petit peu, j'ai tendance à. Voilà, je bois beaucoup, du coup, bah. Voilà. Et non, avec ces chaleurs en plus. Condition compliquée. Condition compliquée, belle expérience, première expérience. Et bah voilà, on a mouillé le maillot, on avait dit qu'on voilà. Voulait mouiller le maillot. On a mouillé le maillot. Maintenant, place à la récup. D'accord. Allez, bon courage à toi. Merci. Merci. C'est ton premier 10 km ? Yes. Premier 10 sur plat. Ça va, c'est bien passé. J'ai fait le tout long un peu tout seul. Heureusement, sur le retour, il y en a deux qui m'ont rattrapé. Du coup, j'ai pu m'approcher un peu et puis finir quand même. Je suis content, je suis sous les 35, pas rempli. Super. Yes. Bon, bah, la course est terminée. Assez content. 5 km à effectuer. Et j'avais des bonnes sensations. Et puis voilà, ouais, c'est parti. Assez doucement au début, ça s'est beaucoup regardé. Et puis tout de suite, il y a un duo qui s'est formé. J'ai pas réussi à suivre, malheureusement. T'as une idée de ton temps? Comment? T'as une idée de ton temps? Ouais, alors je fais 33 et quelques, je bats mon record sur 10 km. Là-dessus, je suis content. Voilà, bravo, bien. Voilà, je suis content. Bon, voilà. Bonne continuation. Je suis pas fier. T'es content de ta course? Ouais, deuxième lieu, deuxième des deux. Bien. 41-34. Tu connais ton temps exact? Ouais, 41-34. Bravo! Bravo! Vous avez eu un mois de blessure, je suis content.
Merci Vous. Ah de rien, c'est normal. À tout à l'heure sur le podium. À tout à l'heure. C'était dur aussi. Premier 10 km pour toi? Deuxième. Premier, tu as fait combien? J'ai fait un peu moins de 39. Et celui-là, t'as une idée, comme j'étais moi sur le, en train de filmer là-bas 37, un truc comme ça. 37, 15. D'accord. C'est bien. Je pensais faire... Est-ce que quelqu'un aurait fait une casquette rouge à vous savoir? T'as trouvé la casquette rouge? Ah non. C'est quoi quelqu'un aurait fait une casquette? Ouais. Avant de partir, je pensais faire... Ah, allez, aucun mieux. Attends. Il va pas s'arrêter, le gars. Allez, vas-y, maintenant, on reprend. Par contre, je la coupe pas, hein. Je te jure, je la mets comme ça sur YouTube, juste pour se marrer. Je disais, je pensais faire à peu près 35. Ouais. C'est ça comme objectif, je sais pas trop où j'en étais. C'est quand même correct, hein, 37, 15. Tu es 39 le premier que tu as fait. Ouais. Je veux dire, c'était l'an passé, non? Non, quel est il y a 2 ans. D'accord. D'accord. Après, je suis un peu déçu. Enfin, pendant la course, j'arrivais pas à accélérer, mais. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait un 10 ici. Sur la route, c'était dur. Ouais. Bon, bah, bravo à toi. En ce samedi soir, à Serrières-en-Chautagne. Ah là là là. Il y a du Hugo, du Marco. Hein? Pas à l'aise, hein, sur les interviews. Ah, j'aime pas bien, tu sais. Ah, ouais, je te vois là. Tu flippais. Oh, bien. Par contre, Florent, il est un peu plus à l'aise sur les interviews. Hein. Ah ouais, futur vrai, acteur, toi. Hein. C'est parce que je m'entraîne pour la suite de ma carrière. Pour la célébrité, hein, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Bon, et puis ça s'est pas trop mal passé pour eux en général. Donc, maintenant, on va voir. Il y aura les podiums et derrière ça, ben. Championne en ski de fond, hein. Elle a été vraiment une fondeuse de haut niveau. Elle a arrêté le haut niveau en ski de fond à la fin de l'hiver 2013. Elle s'est mise à l'athlétisme, et notamment sur le 1500, sur le demi-fond, sur le 1500 et le 800. 4,35 notamment sur le 1500, 2,15 sur le 800. C'est Laure Tassion qui a rejoint l'athlète Saint-Julien et bien sûr, hein, qui est dans son team, elle me l'a dit, hein, surtout. Hein. Voilà, oui, athlée en effet, athlée running du 13e BCA. Et Laure, c'était son premier, parce qu'elle est spécialiste peut-être de 1500, mais c'est son premier 10 km. Et elle l'a fait en 37-37 sur le Beaufort. Junior. Voilà. Troisième junior, il nous vient du team justement dont fait partie Laure Tassion. C'est athlée running, 13e BCA, Hugo Renault. Troisième junior, Hugo Renault en 37-22. C'est bon. Super, Hugo. Et d'ailleurs, le deuxième, tu le connais très bien, hein, mon cher Hugo. Le deuxième, lui aussi, il fait partie du même team, athlée running, 13e BCA. Deuxième, Florent Tourné. Bravo. Voilà, Laure doit être aux anges, j'en suis persuadé. Et très joli chrono, hein, tous les trois, 37-22 pour Hugo, Florent en tournée, 34-52, et le premier, il fait encore mieux, bien sûr, avec 33 minutes 04, et il avait mis 34-26 à Annecy en septembre dernier, c'est Richard Clavel. Bravo Richard, Tensi, haute Savoie, athlétisme, de Curiel. Premier espoir, Marco Garo. Comme Laure le dit, il a tout à fait raison. Tout à fait raison, il fait partie également du même team que Laure et que Hugo et Florent, c'est-à-dire athlée running, très...